La soirée des pionniers, deuxième édition, c'était le 25 mars. Les héros de l'évangile et de la musique en RDC ont été reconnus et honorés solennellement. Un devoir que se donne passant le bâton, ces structures de Dalom Ministries, cet acte 2, a primé 14 pionniers spécialement tirés des provinces, dans le lot, une chaîne de télévision. C'était une soirée de reconnaissance des pères de l'évangile et de la musique chrétienne en RDC qu'a organisée Passons le bâton, structure de Dalom Ministries, pour honorer ces femmes et hommes qui ont payé le prix pour la propagation de la bonne nouvelle en RDC de 1960 en 1990. Pour cette deuxième édition, qui a récompensé 14 pionniers, l'équipe organisatrice de cette activité unique du genre en RDC a tourné son regard vers les provinces du pays. Un acte de reconnaissance qui restera à jamais marqué dans les cœurs de ces nominés. C'est le sentiment de reconnaissance et puis de remerciement à celui que Dieu a touché pour occasionner cet événement. Et c'est très simple, à la génération montante, il est écrit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Considérez que là a été la fin de leur vie, imitez leur foi. » En tout cas, comme si nous avons Makasi, vraiment, je suis très, très ému. C'est rare dans la vie que les jeunes reconnaissent les œuvres que le vieux ont faites. Vraiment, que Dieu lui bénisse. On ne sait pas où est-ce qu'on a vu cette idée, mais que ça continue comme ça. Trophées, certificats et un chèque de 5 000 $ ont été remis aux heureux primés, vivants ou morts, avec révérence, sous des acclamations nourries. De quoi marquer la jeune génération. J'ai un sentiment d'un devoir accompli. Nous sommes en train de reconnaître ce que ils ont réalisé, c'est eux qui ont été les premiers à vivre et à souffrir pour que nous puissions avoir la vie facile aujourd'hui. Et des événements comme ça produisent beaucoup d'humilité parce qu'on se rend compte que les fondements ont été posés par d'autres personnes et nous sommes un peu comme des privilégiés grâce à leur travail. C'est un sentiment de joie, de reconnaissance aussi pour nous. Voir comment on peut reconnaître les gens. On a reconnu ce soir des personnes qui sont parties et des personnes qui sont encore vivantes. Et ça fait du bien qu'on sache reconnaître parce que souvent les gens reconnaissent quand les gens sont partis. Au nombre des primés de cette deuxième édition figure un média, la radio-télévision Message de Vie de l'archibishop Coutinho Fernando, qui est reconnu comme la première chaîne chrétienne en RDC. En tout cas, c'est une joie pour nous. Ça fait preuve qu'on reconnaît quand même le parcours que l'archibishop Coutinho Fernando ainsi que son épouse a eu à contribuer au sein des médias de la République démocratique du Congo. L'ambiance était à son comble avec l'interprétation par la jeune génération des grands tubes des pères de la musique, comme pour dire « le bâton est passé ». La soirée des pionniers, deuxième édition, ce Hall of Fame chrétien nous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle aventure.